La semaine dernière, j'ai appelé un ami pour l'inviter et il m'a dit: ah, je peux pas venir, je suis à Genève. C'est quelqu'un qui habite à Ashdod, qui est d'origine de Suisse. Et à Rosh Chodesh Adar Aleph, il est rentré dans un nouvel appartement, donc on avait fait Hanoukat Bayit. Et je leur ai fait le Dvar Torah que je vous ai fait par rapport à ce qu'il dit le Rabbi, quand dans une année où il y a 2 mois d'Adar, il y a 60 jours, quand il y a 60 jours, tout celui qui s'efforce d'être joyeux pendant ces 60 jours, ça s'appelle Batel Beshishim. Comme quand on a une casserole de viande et une goutte de lait, elle tombe dedans. S'il y a 60 fois la mise, la goutte de lait, elle s'annule, on peut manger la casserole. Et Rabbi, il dit, c'est la même chose avec le mois d'Adar, comme on avait vu, que si on est joyeux pendant ces 60 jours, on annule tous les mauvais décrets, toutes les galères qu'on peut avoir pendant toute l'année. Donc c'est important d'être joyeux, surtout la Gemara, elle dit, Mishenechnas Adar, Marbim Besimra, quand le mois d'Adar est Marbim Besimra. Et il me dit, ouais, il faut que je te raconte ce qui s'est passé. Je dis, bon, d'accord, raconte-moi, on était au téléphone, donc lui, il était à Genève, moi, j'étais ici. Il me dit, tu te rappelles, il y a 5 ou 6 ans, j'avais fait un business avec des gens de Paris. Et c'était des gens pas très droits, tout ça. Et les gens, il avait accusé de quelque chose qui, à tort et à travers. Et quand il était arrivé à Paris, il y a 5-6 ans, il avait bloqué à Paris. Il ne pouvait pas sortir. Au lieu de partir pour une semaine, il s'est retrouvé là-bas un mois. Après le juge, la machin, tout ça, caution. Et bah, au Hachem, il s'en est sorti. Donc c'est une histoire d'il y a 5-6 ans. Il m'a dit, j'arrive à Genève, donc c'était mercredi dernier. Il m'a dit, j'arrive à Genève, pour sortir, il faut donner ton passeport. Donc il donne son passeport, hop, il attrape, ah monsieur, tatata, ok, venez. Il lui met les menottes, il dit, vous êtes recherché en France. Recherché en France, il dit. On va vous mettre dans une cellule, le temps de vous faire rapatrier en France. Il dit, mais quoi, il se rappelle, il essaie de réfléchir, qu'est-ce qui se passe? Il rentre dans la cellule, il dit, Akadosh, je suis content de ce que tu me fais. Et je sais, Mishenir, il avait pris sur lui, le jour de la Hanoukat Bayit, d'essayer tous les jours, peu importe ce qu'il y a, des bonnes nouvelles, mauvaises nouvelles, essayer d'être joyeux. Il a dit, Akadosh, je vais trouver que je suis joyeux de ce qui se passe. Il m'a dit, je vais chanter et danser dans la cellule. Il a commencé à chanter et danser dans la cellule. Il m'a dit, il est passé moins de 5 minutes. Ils sont revenus, ils ont ouvert la porte, ils m'ont dit, excusez-nous, voilà votre passeport, et l'ont laissé partir. Ça, c'est la force de l'aïmouna d'un juif. Quand tu crois, et c'est ça ce que aussi le rabbi dit, il y a un livre qui a été écrit par la rabbanit Yosef, Sarah Yosef, s'appelle La pensée positive, Marshava Chiyuvit. Que pense bien, ça se passera bien. Mais si toi, à chaque fois qu'il t'arrive une galère, mais j'en peux plus, j'en ai marre, je suis en contact avec une femme qui a divorcé en France, c'est de l'aider. Et malheureusement, c'est son mari, il lui pourrit la vie. Elle a des enfants, elle les éduque, elle met toutes ses forces pour leur donner le meilleur. Et malgré que elle n'a pas une super parnassa, elle essaye tout, se lève le matin tôt, alors que pour l'instant elle ne travaille pas, elle leur prépare à manger, les trucs, elle les attend le soir, elle prépare un truc chaud. Mamache! Et là, elle est arrivée à s'est noyée dans l'océan. L'importance, même quand ça va pas, c'est dur, c'est difficile pour tout le monde. On a tous, chacun il a son dossier. Chacun il a son dossier. L'autre c'est avec ses parents, l'autre c'est avec son mari, l'autre c'est avec ses enfants, l'autre c'est avec son travail. Chacun on a un dossier. Mais si toi t'essayes à chaque fois d'avoir cette émouna, cette confiance, de dire voilà, Bezrat Hashem, on va s'en sortir. Comme ils disent les Français, après la pluie, le beau temps. C'est pas possible qu'il pleuve 365 jours dans l'année. Ok? C'est pas possible. Regardez aujourd'hui comment il fait tonnerre, éclair, pluie, machin. J'étais à la synagogue, je n'avais pas comment rentrer. Quand je suis sorti de la maison, il ne pleuvait pas. J'ai dit, comment je vais rentrer? Je vais rentrer trempé. J'ai dit, non, Bezrat Hashem, ça va bien se passer. Il y a un mec que je ne vois jamais, il m'a dit, je te raccompagne à la maison. J'ai dit, allez, vas-y. Hop, on est rentré en voiture, je suis rentré sec. C'est-à-dire que, essaye à chaque fois. Demain, ils ont dit, ils vont annoncer une super journée, soleil et tout ça. Donc, essaye à chaque fois de te dire, ça va passer. Je vous ai dit, le Ben Yishraï rapporte une histoire où un homme, il avait une bague avec écrit Gimel Zayin Yud. Et les gens, ils disent, mais c'est quoi ça, Gazi, Gazi? Gazi? Il dit, Gamze Yavor, même ça va passer.
C'est-à-dire que quand tu dis que le matzav, la situation, elle va passer, sache qu'elle passera beaucoup plus vite que tu le penses. Mais on oublie. Notre problème, c'est qu'on oublie. On n'a pas confiance, on ne sait pas que c'est... Ça va passer, t'inquiète pas. Les choses, elles passent. Les choses, elles restent pas, elles durent pas. Les bonnes choses, comme les mauvaises choses. C'est pour ça qu'un mec, quand il est au top, réfléchit, comme ça il aura volbeu. Il y a Aliya, il y a Yerida. Il y a des jours où tu vas être au top, il y a des jours où tu vas être par terre. Il dit, quand tu es dans le top, prends des forces au maximum quand tu es au top. Joyeux, truc, mets de l'argent de côté, soit truc, machin, ça. Comme ça, dès que tu as un petit coup de galère, tac, je peux m'en sortir. Emouna, Simra. Quelqu'un qui a cette Emouna et Simra, j'ai racheté votre Esh, le feu. Si tu as ce feu en toi, tu as cet enthousiasme de pouvoir réussir, quoi qu'il arrive, quoi qu'il se passe dans ta vie, tu réussiras. Bon, Radona, il est là, m'amène.